Quel est le nombre placé sur la droite graduée ci-dessous Alors ici on a une partie de la droite graduée, et c'est la partie qui est entre, comprise entre 1,5 et 1,7. Et tu vois qu'il y a deux types de graduations il y a les, déjà les grandes parties, les grandes graduations qui sont marquées en bleu, et puis il y a les petites graduations qui sont marquées en noir, les petites parties. On va regarder déjà les, la, les, les graduations bleues. Hein. Quand on passe de 1,5 à 1,6. Ce qu'on a fait, c'est ajouter un dixième, puisque ici on a une unité et 5 dixièmes, et ici on a une unité et 6 dixièmes. Donc de 1,5 à 1,6, cette distance-là, en fait, ça, ça correspond à 1 dixième. 1 dixième. Un dixième, on sait que ça peut s'écrire aussi comme ça, c'est 1 sur 10, ou bien c'est aussi 0,1. Voilà. Et ici, entre 1,6 et 1,7, eh c'est exactement la même chose, il y a aussi un dixième. Maintenant, on va se concentrer sur les graduations noires. Hein. Donc, on va regarder entre 1,5 et 1,6 combien il y en a. Il y en a une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est-à-dire qu'on a divisé cette longueur-là entre 1,5 et 1,6, qui, qui correspond à un dixième, on l'a divisé en 10 petites parties. Donc chaque partie qui est là, cette partie-là, par exemple, chacune de ces parties, donc celle-là aussi, hein, eh bien elles correspondent à un dixième de cette longueur-là qui vaut déjà un dixième. Donc chacune de ces petites parties correspond en fait à un dixième de un dixième. Et ça on a vu que c'était un centième. Un centième. Cette partie-là c'est un centième. Parce que si tu partages un dixième en dix petites parties, tu obtiens un centième. Alors maintenant, pour trouver à quoi correspond ce nombre qui est marqué par le point d'interrogation, eh bien, on va compter combien il y a de centièmes à partir de 1,5. Donc, je vais le faire. Là, j'ai déjà un centième, un autre centième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième centième. Donc, si je pars de 1,5 et que j'ajoute 7 centièmes, eh bien, je tombe sur le, le nombre que je cherche à identifier. Donc, ce nombre-là, je vais pouvoir l'écrire comme ça en fait. C'est 1,5 plus 7 centièmes. Alors, pour mieux se représenter quel est ce nombre-là, on va essayer de trouver ça, son écriture décimale. Et pour ça, il faut déjà commencer par savoir ce que c'est que 7 centièmes. 7 centièmes, c'est 0 unité, 0 dixième et 7 centièmes. Donc, je vais l'écrire comme ça 0,07. Donc finalement, le nombre que je cherche, c'est 1,5 plus 7 centièmes, que je peux écrire comme ça, c'est 1,5 plus 0,07. Donc là, en fait, j'ai une unité, plus 5 dixièmes, plus 7 centièmes, donc je vais pouvoir l'écrire comme ça, c'est 1,57. Donc le nombre que je cherche, c'est 1,57.